j'ai embarqué à Tuktoyaktuk, donc dans le nord-est canadien. On a parcouru pas mal de miles, je crois. J'ai pas le nombre exact de kilomètres qu'on a pu parcourir depuis le 20 septembre, mais on en a fait pas mal, ouais. Et là, on arrive au Groenland à Ilulissat aujourd'hui, et ouais, c'est avec un certain pincement au cœur que j'arrive au Groenland. J'ai découvert un petit peu le monde arctique via Tara, et c'est vrai que c'est une expérience unique et vraiment formidable, tant humaine que professionnellement parlant. Et sur le plan de la recherche, sur ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ouais, à part que on nous avait promis les narwhals et les baleines et qu'on n'en a pas vu. Donc peut-être que ça sera après Ilulissat, sur le leg prochain, je sais pas. Sinon, bah écoute, ça tient toutes ses promesses, on a eu bien froid. Et voilà, mais on a eu des belles journées pour échantillonner, donc c'était super. Ouais, le travail, ça va, vous avez pu travailler comme vous le vouliez. Ouais, la première station à moins 7 a été un peu difficile, hein, parce que c'était assez gelé dans les tuyaux en fait. Et après, on s'est bien organisé, et donc ça a été parfait. Eh oui, c'est la première fois que j'arrive au Groenland et j'avais jamais vu. Et puis c'est comme les vacances parce qu'il fait grand soleil et il fait chaud alors qu'on a eu froid jusqu'ici. Et puis en plus la mer est calme, c'est presque les vacances et il y a peut-être des bars qui nous attendent à Ilulissat. Voilà, et les icebergs, tu en avais plus vu depuis l'Antarctique? Bah, les icebergs, on en a quand même vu pas mal depuis qu'on est parti de Tuktoyaktuk. Donc on n'a pas revu les grands tabulaires de l'Antarctique, mais ça c'est spécifique à l'Antarctique. Ouais, c'était beau, non, on en a vu pas mal. J'en rêvais depuis toujours, que je pensais pas que ça se ferait un jour, et que ça s'est fait, et que ça s'est fait dans la meilleure ambiance possible avec un bateau fantastique. Et voilà, je suis très heureux, et je trouve que le bateau, l'équipage ont permis le succès de ce leg scientifique, mais aussi un leg, c'est-à-dire une campagne océanographique. Pour faire rêver, j'espère, le plus possible de gens.